Bienvenue, chers téléspectateurs, chers internautes de Léo Ndjoléo. On se retrouve aujourd'hui dans cette émission Face à Face pour parler de l'actualité politique de la République démocratique du Congo. Vous le savez que l'actualité politique est dominée par la sortie médiatique du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi, répondant aux allégations de son homologue rwandais Paul Kagame. Nous allons nous poser la question: pourquoi une sortie médiatique, une réaction pas trop musclée de Kinshasa et de la part du président congolais Félix Tshisekedi? Nous allons en savoir un tout petit peu les contours. À la seconde partie de cette émission, nous allons parler de cette proposition de loi de Noël Tshiani sur la congolité des présidentiables en 2023. Est-ce que cette proposition vise des individus? Nous allons en savoir dans cette émission. Et à la dernière partie de notre émission, nous allons parler de cette matinée politique de Nouvel Élan d'Adolphe Mouzitou, une matinée politique avortée. Pourquoi? Nous allons en savoir. Peut-être vous avez eu quelques informations, mais nous allons en savoir avec beaucoup plus de détails sur ce plateau, parce que nous avons reçu pour vous un membre de ce parti politique Nouvel Élan, je le disais tantôt, de Adolphe Mouzitou. Il s'agit bien de Bruno Mimenga qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour. Bonjour Monsieur Joël et Diawa, et puis merci pour m'avoir honoré par votre invitation. Et puis je profite à cette même occasion de saluer tous les Congolais dispersés dans le monde. Et puis je demanderai à tous ceux-là qui ont l'habitude de me suivre, s'abonner à la chaîne Léo Ndjoléo pour ma toute première fois de passer par ici. Et voilà, merci. Et puis, je crois que c'est une première pour vous, mais avec le temps, vous allez vous adapter. Je rappelle que vous êtes communicateur de ce parti politique d'Adolphe Mouzitou. D'entrée de jeu, dites-nous d'abord comment fonctionne, comment évolue actuellement le parti. Oui, merci M. Diawa. Notre parti Nouvel Élan fonctionne en bonne et due forme, sauf qu'à l'ère actuelle, le seul parti sérieux, c'est nous, Nouvel Élan. Vous avez vu, oui. Donc tout le monde a peur des Nouvel Élan parce que 2023 s'approche. Néanmoins, je ne vois aucun conquérant qui est sur terrain par rapport à nous. Le vrai parti, dans quel sens? Vous n'avez pas une ancrage national, vous n'avez pas assez de bases solides. Vous dites que vous êtes le parti le plus sérieux. Mais Monsieur Diawa, être un parti sérieux, mais nous sommes partout sur l'étendue du territoire national. Récemment, nous étions à Kisatu, et puis nous serons partout. Donc, nous sommes dans les 26 provinces de la RDC. Mais qu'est-ce qui justifie votre sériosité? Notre sérieux, parce que nous sommes un parti, nous sommes des socialistes, nous travaillons pour l'intérêt de la population. L'UDPS aussi est un parti socialiste. Je ne pense pas que le parti dont vous faites allusion, c'est un parti socialiste, parce que vous avez vu des bavures par-ci, par-là. Donc, l'UDPS, c'est un parti déjà moribond. Je ne crois pas que dans les jours à venir, les gens iront toutefois être dans ces partis-là. Donc, à l'heure actuelle, c'est nous, la Mouka, nous voyons de l'autre côté les CID et Nouvelle-Élan qui est vraiment un parti qui est proche de sa population, qui connaît les réalités dont traverse cette population-là, qui est déjà meurtrie par tant de promesses irréalisables de M. Tshilombo. Et voilà, que répondez-vous à ceux qui disent que Martin Fayoulou et Adolphe Mouzitou, avec leur Lamouka, sont en train de rêver? Non, Lamouka, ce n'est pas au leader Mouzitou et Fayoulou. Lamouka, c'est un état d'esprit. Lamouka, c'est la population dont la population a jeté cette dévolue. Bon, vous, Lamouka, vous êtes en train de rêver parce que non. Tout ce que vous avez demandé à Félix Tshisekedi, il l'a fait. Vous avez dit qu'il devait se séparer avec Kabila, il l'a fait. Il a décrété l'état de siège pour apporter la sécurité dans la partie est du pays. Il l'a fait, mais jusqu'à présent, qu'est-ce qui reste encore pour que vous puissiez croire à Félix Tshisekedi? Monsieur Diawa, vous croyez, nous la Mouka Nouvel Élan en particulier, on n'a rien demandé au preuve de M. Tshilombo. Qu'est-ce que M. Tshilombo pourra toutefois nous donner si pas les multiples promesses et les multiples voyages qu'il effectue, ça résultat? Donc nous avons voulu que non, M. Tshilombo puisse renoncer d'abord, de reconnaître sa nette défaite de l'élection de 2018. Et cela pourra toutefois amener un bon climat au pays. Donc nous, Lamouka, on n'a rien demandé auprès de M. Tshilombo, parce que M. Tshilombo, il sait de quelle manière il est là, et puis avec sa façon de diriger le pays, avec trop de bricolage, de tâtonnement. Donc nous sommes sérieux, et puis nous sommes dans notre lutte. Mais c'est notre président, ce n'est pas le vôtre, c'est notre président quand même. M. Tshilombo, je le dis ici, que non, c'est un président pas illégitime.
il n'est pas là parce que la population l'avait voté. La population avait voté son excellence, M. Martin Fayoulou, avec plus de 71%. Donc, vous savez la réalité. Donc, dire que non, M. Tshilombo, c'est un président illégitime. Là, au moins, nous les reconnaissons parce qu'il n'est pas un président qui a été l'émanation de la population. N'avez-vous pas abandonné votre combat sur la vérité des urnes jusqu'à présent, parce que vous dites que Tshilombo, c'est notre président, le président Félix Tshisekedi est un président illégitime? Non, la liste a abandonné la vérité des urnes. Non, je ne crois pas. La vérité des urnes, ça ira jusqu'à la fin. Parce que jusqu'où? Non, la vérité des urnes n'est pas à la limite. Nous irons jusqu'à la fin. Parce que nous voudrions que les Congolais puissent trouver des bons leaders, des bons dirigeants qui pourront toutefois les défendre à l'intérieur, y compris à l'extérieur du pays. Parce que vous avez vu comment est-ce que la gestion de M. Tshilombo est vraiment dans l'abîme. Donc la RDC, à l'heure actuelle, M. Diawa, la RDC est dans l'abîme. Il faudra dans les jours à venir trouver des bons leaders et puis des bons dirigeants dont ils pourront toutefois défendre cette population qui... il a tant souffert avec cette affaire de Bruno Mbenga. Là, je rappelle, irréalisable. Je rappelle que c'était juste les liminaires, le menu, comme on dit. Maintenant, nous allons entrer dans le vif de notre sujet. À Paris, vous avez suivi le chef de l'État congolais, le chef de l'État rwandais se rencontrer. Et Paul Kagame dire que son pays était prédisposé à soutenir l'état de siège décrété en République démocratique du Congo par le président Félix Tshisekedi. Qu'en dites-vous? Monsieur Diawa, je regrette fort nos frères qui ont lutté pour ce pays, parce que Monsieur Tshilombo vient de cracher sur les mémoires de nos frères, les prêtres, les saints qui ont été tués, massacrés, dont je fais allusion à Rossimou Kendi. Aujourd'hui, là, quand nous avions dit que ce n'est pas M. Tshilombo qui dirige la RDC, les ordres viennent d'ailleurs. Les gens nous ont traités de tout mot. Aujourd'hui, vous avez compris qui dirige réellement la RDC, c'est le petit roi. Donc le fait d'avoir manifesté la volonté... Vous avez suivi la déclaration de son excellence Martin Fayoulou. Non, c'est le Rwanda qui dirige le pays. Le fait d'avoir voulu accompagner la RDC... Dans cet état de siège, il devient maître de notre pays. Mais vous avez vu. Est-ce que dans la diplomatie, il n'y a pas d'amitié en politique, ou bien un État contre un État, c'est les intérêts qui comptent. Parce qu'aujourd'hui, là, M. Paul Kagame qui s'est dit de soutenir la RDC par rapport à quoi? Non, ce n'est pas que non, les Rwandais, petits pays comme les Rwandais, pays nous soutenir. Donc l'état de siège dont M. Tshilombo fait allusion là, c'est du populisme, si je peux dire, parce que cet état de siège n'aboutira à rien. C'est juste, si nous lisons l'article 119 de la Constitution, vous allez voir que non, il y a eu haute trahison par rapport à ça. Quand on décrète un état de siège, M. Diawa, il faut comprendre que non, il y a des préalables qui est là. Mais donc il faudrait que le dirigeant soit militarisé, toute la province soit militarisée et non les institutions qui seront dirigées par les civils. Donc l'état de siège devrait normalement être dirigé par les militaires, les cours et tribunaux. Mais par contre, nous avons vu l'amateurisme de l'UDPS, les compétences avérées dont nos frères de l'UDPS ont tenté de faire. De l'autre côté, nous voyons un militaire et puis son vice, la police. Où en sommes-nous? Donc état de siège qui est un peu, pour nous, c'est un vide qui n'aboutira à rien, parce que la population de l'Itour, dont chaque jour j'ai quelques entretiens avec nos frères de là, il n'y a pas ce que nous faisons ici à Kinshasa. Apparemment, Bruno, vous êtes en contradiction avec votre leader, Adolphe Mozitou. Récemment, au cours de cette semaine, il a accordé une interview à nos confrères de Jeune Afrique. Il a dit que le tas de sièges est une part, pas la totalité, mais c'est une part de la quête de cette solution pour la pacification de l'Est du pays. Mais vous balayez tout. Apparemment, vous n'êtes pas... Non, je vous pas... ne mettez pas dans les mêmes Je ne suis pas contre mon leader, mon mentor, Adolphe Mozitou. Le point, c'est quoi, M. Diaw? Nous devons comprendre que nous, la Mouka, on avait des pistes et des solutions. Avant d'attamer un bras de fer à un ennemi, il faut connaître son adversaire. Est-ce que... tel que vous êtes là, vous pouvez engendrer une bagarre avec la personne dont vous ne la connaissez pas. Donc nous, la Mouka, nous avons proposé de nous faire voir qui sont nos adversaires, qui nous menacent réellement. Et puis, à ce moment-là, nous allons engager la guerre. Et puis, si vous avez suivi
L'autre fois, les déclarations de son excellence Mozito, il avait dit il faut annexer le Rwanda, faire la guerre avec le petit pays, là, le Rwanda. Mais vous avez tous suivi comment ont été les réactions de part et d'autre. Donc nous, le point serait que d'annexer le Rwanda, identifier l'ennemi, et à ce moment-là, nous serons derrière nos voyants soldats. Vous allez comprendre que tous ces gens qui font du petit bruit. Actuellement, mais à l'heure actuelle, M. Tshilombo, actuellement, vous n'êtes pas disposé à soutenir les FRDC. À l'heure actuelle, M. Tshilombo, il nous a pas dit pas disposé à soutenir les qui est notre adversaire. Parce qu'on peut soutenir quelqu'un. Donc, on les reconnaît, mais on peut soutenir quelqu'un d'emblée. Donc, comme ça, vous n'êtes pas disposé à soutenir donc, les FARDC. Donc, soutenir la FARDC, c'est une armée nationale. Oui. Donc, nous avons l'obligation de les soutenir. Mais à quelles conditions on peut soutenir nos militaires? Parce que M. Tshilombo, il a violé les principes et puis il ne respecte pas la Constitution. Donc, pour nous, là, ça n'engage que moi, c'est une haute trahison de ma part parce qu'il n'a pas bien pu voir. Et puis, si vous avez suivi la déclaration de Paul Kagame, il a dit si c'était lui, il allait faire ça en bon uniforme. Cela veut dire comme si tout ça, c'est à la légèreté, c'est que M. Tshilombo fait. Et puis, cela montre que le pouvoir de Tshilombo est dans le main de M. Paul Kagame. Donc, nous, la Mouka, nous disons, on s'est posé des questions. À l'époque d'Adolphe Mozito, vous avez tous suivi le petit groupe de MV3. Oui. Nos militaires les avaient mis à déroute. Et puis, l'armée ougandaise, burundaise. Alors, où seraient ces militaires-là? Ils sont disparus? Non, je ne pense pas. Le problème serait qu'on puisse doter nos militaires, payer leurs soldats à temps, et puis vous allez voir que nos militaires seront bien équipés et ils feront de bons résultats. Mais imaginez-vous un militaire qui est mal payé, un militaire qui n'a pas de rations, un militaire qui est isolé, et puis vous croyez réellement que ce que M. Tshilombo fait là, le dialogue, ça ne tire à rien, M. Diaw. Donc nous disons que c'est que vous considérez, ce que vous considérez de Diallo, c'est quand même l'état de siège qui est apprécié même par la communauté internationale, mais je vous ai fait voir Congolais. Comment est-ce que cet état de siège n'aura pas l'impact, messieurs. Bon, donc Bruno Miminga, nous sommes en train d'évoluer, nous avons tous suivi Paul Kagame dire Paul Kagame nier l'implication du Rwanda dans les massacres perpétrés à l'est de la République démocratique du Congo. Paul Kagame contester le rapport mapping où est cité bon nombre de Rwandais, le Rwanda également est cité. En réaction, je vais vous lire la réaction de Félix Tshisekedi face à ce négationnisme, parce que tout le monde s'attendait quand même à une réaction musclée de Kinshasa, mais malheureusement, je ne dirais pas malheureusement, Félix Tshisekedi a dit ceci: je n'ai pas de polémique à faire avec le président Kagame. Je n'ai pas utilisé les médias pour le répondre. J'ai d'autres voix. Je les utiliserai pour lui parler. Moi, je m'inscris plutôt dans la logique de la paix dans mon pays avec mes voisins et je ne fais pas attention à ce genre de déclarations qui peuvent mettre le feu à la région. Je n'ai pas l'intention de répliquer sur cette question. Ça, c'est la réponse de Félix Tshisekedi aux allégations, aux déclarations de Paul Kagame. C'est quand même une réaction modérée. M. Diawa, en lisant là, ce que M. Félix vient de dire là, si vous regardez bien, cela montre en suffisance que non, c'est un discours de faiblard. C'est-à-dire? C'est-à-dire que non, M. Tshilombo, s'il allait répondre à M. Paul Kagame, il allait le faire plutôt en France, là où ils étaient. Mais revenir ici dans notre pays pour dire que non, je cherche la paix et tout comme ça, ça c'est quelle histoire? Raison pour laquelle je vous avais dit que non, le pays est dans l'abîme. Aucun président serait payé laisser faire ça. Donc, M. Tshilombo, pour nous, ça sera très, très difficile de les revoir quoi, en 2023 parce qu'il a craché sur les mémoires de plus de 6 millions de Congolais qui meurent du jour au jour, nos moments qui sont mutilés, violés à l'est du pays. Et puis, Paul Kagame réunit de ne plus voir les militaires rwandais dans notre pays. Alors, où serait la guerre des 6 jours de Kisangani? Donc, tout ça, vous trouvez ça normal? Donc, M. Tshilombo, en lisant sa façon de dire, vous comprenez que non, il ne mérite pas la place qu'il est là. Donc, la veste dont il porte pour la République est trop grande pour lui. Mais donc, quand nous, même... nous demanderions que tous les Congolais soient vraiment
estomaqué de voir cette réaction un peu qui n'a même pas de fond ni de fondement par rapport à ce que nous avons vécu. Parce que si vous vous rappelez, à l'époque de Mobutu, il disait la dignité de tout citoyen zaïrois à l'époque est sacrée. Alors aujourd'hui, où serait la dignité des Congolais? Mais vous plus savez... de 6 millions de Congolais qui meurent du jour au jour, Paul Kagame fait de la marchandise par rapport aux Tutsis qui ont pu faire la génocide. Donc pour nous, vous allez comprendre que non, M. Tshilombo, c'est la provenance de ce pouvoir issu d'une façon illégitime. Je me souviens encore à l'époque, j'ai dit ça à mon introduction, Joseph Kabila, qu'on l'a traité de tout mot, il n'a jamais pu faire ce que Tshilombo fait aujourd'hui. Donc pour nous, nous disons non, Tshilombo ne mérite pas de diriger la République démocratique du Congo, parce que dans le monde politique, il s'agit de représailles, donc il ne peut pas passer inaperçu. Vous êtes en train donc, de nous avons vu, vous êtes en train de dire qu'il y a d'autres représailles qui ne peuvent pas être passées inaperçues, mais est-ce que vous savez que Félix Tshisekedi est président de l'Union africaine, président en exercice? Alors, en tant que président en exercice de l'Union africaine, il doit ne pas vouloir attiser le feu quand même. Raison pour laquelle il a choisi d'être beaucoup plus réservé. Monsieur Diawa, être président de l'Union africaine ou ne pas être président de l'Union africaine, ce n'est pas ça ce qui compte. Ce qui compte serait la sécurité des citoyens dont vous les dirigez. Parce qu'aujourd'hui, si tout Congolais disparaissait, tu va diriger les arbres. Je ne passe pas. Donc, pour nous, quand il dit qu'il va entamer d'autres moyens pour trouver la paix et la justice, nous nous souviendrons encore à l'époque de la colonisation belge, il y a eu plus de 10 millions de Congolais qui ont perdu leur vie, qui ont été massacrés, tués, y compris Lumumba. Où serait ce processus de la justice? Donc, M. Tshilombo, il a montré son incompétence au sein de notre pays, raison pour laquelle vous avez vu plus de 98% de la population sont mécontents de sa gestion. Et puis, en 2018, lui qui a l'habitude de traiter les Congolais de sorciers, lui qui a l'habitude de traiter les Congolais, et lui qui a l'habitude d'appeler Paul Kagame son frère, mm-hmm. à ce moment-là, nous allons les ramener au Rwanda. Pour aller ce sont des frères, pour être frères. Frère, alors, vous ne devez pas seulement être d'un même rapport, pays. Mais excusez-moi, M. Diawa, nous devons nous faire comprendre. Quand vous dites que non, mon frère, et Paul Kagame qui vous regarde les yeux dans les yeux disant non, les gens qui meurent à l'Est, là, c'est pour moi, je trouve comme si c'est dit à Félix, non, c'est moi qui suis le maître de la République démocratique du Congo. Et puis Félix, il devait réagir. Nous voyons quand un Français, si un Français meurt à l'extérieur du pays, vous sentez que non, toute la République, c'est même pour défendre la cause nationale. Mais nous avons perdu des 6 millions de Congolais et puis on. Mais si tu le maudis, non, il a sa façon. Quelle façon? Donc pour nous, c'est une insulte et cette insulte-là ne passera pas. Donc, et puis si vous avez bien suivi, aucun de membres du gouvernement de l'Union du Sacré il a pu faire des déclarations. Cela montre que non, ces dirigeants sont complices aux théories qui se répètent à l'est du pays. Donc pour nous, c'est un acte qui est vraiment indigne et puis ça ne ressemble pas à notre grand pays, la République démocratique du Congo, dont tout le monde a envie de venir vivre ici chez nous. Bruno Mimbenga, je rappelle que vous êtes communicateur de Nouvel Élan d'Adolphe Mouzitou, ancien Premier ministre qui, selon les uns, n'avait pas bien géré le pays à l'époque où il était Premier ministre parce qu'il était chef du gouvernement. Aujourd'hui, il veut commencer à donner les leçons aux politiques actuelles. Monsieur Diawa, nous sommes en RDC à Kinshasa particulièrement. Si je me mets à dire des réalisations dont mon Premier ministre a fait, nous allons passer toute la nuit ici. Mais je ne suis pas dans ces débats-là parce que Mouzitou a servi ses pays. Vous avez tous vu comment est-ce que la gestion de Mouzitou était dans ces pays. Il a ramené la paix à l'Est. Mouzitou est le seul Premier ministre qui est allé au front. Aujourd'hui, là, c'est grâce à Mouzitou, le budget que nous avons aujourd'hui, dont M. Tshilombo vient de vider ça à la caisse. Donc, dire que non, Mouzitou n'est pas un modèle pour nous, moi, je trouve que non. Mouzitou, c'est un homme de conviction, raison pour laquelle vous avez vu les jeunes auprès de Mouzitou, parce que c'est une école, c'est une université dont nous sommes là. Donc, une fois que vous êtes auprès de Mouzitou, vous êtes dans les bonnes voies, et puis voilà ça. Mouzitou, à son étant, il a bien maîtrisé la gestion économique. Il a ramené les investisseurs au pays, il a fait ce qu'il devait faire. Et aujourd'hui, tout le monde en est conscient, les fonctionnaires, si vous vous souvenez encore, les étudiants à l'époque avaient des bourses. Que voulez-vous que nous démontrions de Mouzitou? Mouzitou, il a fait sa part.
Mouzitu, c'est un modèle. Mouzitu, c'est une référence dont tout le monde fait allusion. Mouzitu a maîtrisé les taux des dollars. Qu'est-ce que vous voulez que nous puissions dire? Mouzitu est une référence, ça c'est ce que dit Bruno Mimbenga. Sans plus tarder, permettez-moi de vous couper la parole parce que nous devons prendre le deuxième sujet de cette émission. Il s'agit bien de cette question de la présidentielle de 2023. Et je crois bien que cette présidentielle sera choc. D'abord, avant d'entrer dans cette proposition de loi, du côté de la Mouka, entre Martin Fayoulou et Adolphe Mouzitu, qui sera candidat président en 2023? Monsieur Diawa, nous ne sommes pas encore arrivés au moment porté, c'est la population qui va... Mais il faut anticiper, vous ne préparez pas déjà 2023. Je crois que non, tout ça nous sommes en train de faire, c'est pour le bien-être de la population et ce peuple-là qui est maître, il sait quoi, il nous dira. Mais quand même, vous pensez déjà à 2023? Au moment porté, oui, bien sûr, nous sommes en train de nous organiser. Mais vous n'avez pas encore un candidat? Ça sera, je vous ai dit, nous ne sommes pas arrivés au moment opportun. Et en 2023, les élections, ça sera juste une formalité parce que l'UDPS et M. Chilombo nous ont montré les compétences et l'amateurisme, mais y compris les bricolages au sein du sommet de l'État. Donc, ça sera une formalité. Ça sera une formalité. Qui en sera vainqueur? C'est nous, la Mouka, le peuple qui sera vainqueur. Parce mais vous-même, la Mouka, vous dites que Tshisekedi s'est accaparé de la Cour constitutionnelle, il est en train de chercher comment s'accaparer de la CENI pour gagner en 2023. Et vous-même, vous dites encore que ça sera une formalité, la Mouka va battre à plat de couture. Je vous rassure, M. Diawa, que je reviendrai dans votre émission et je vous dirai que non, c'est le peuple qui est souverain, c'est le peuple qui gagne toujours. Et donc, moi, je serai d'ailleurs candidat à député provincial ici à Kinshasa. Vous allez voir comment que nous allons diriger la République. Et puis, nous, la Mouka, nous sommes en train de nous organiser. Par rapport à votre question, je vous ai répondu que nous sommes pas... le moment n'est pas encore venu, mais au moment opportun, vous allez savoir comment est-ce que nous allons faire. Le moment n'est pas encore propice pour dévoiler le candidat la Mouka pour 2023, mais ça chauffe aussi hein, du côté du Parlement. La proposition de loi de Noël Tchani sur les candidats président 2023, il faudra être congolais de père et de mère. C'est quand même... Il y a Fayou, lui, est congolais de père et de mère. Mouzitu est congolais de père et de mère. Vous êtes quand même satisfait de cette proposition de loi de Noël Tchani? Monsieur Diawa, nous devons comprendre que non, Monsieur Noël Tchani, ce n'est pas un modèle pour la République. Monsieur Tchani qui n'a même pas une boutique à Kinshasa. Monsieur Tchani qui n'a rien construit en RDC. Donc pour nous, ça sera mieux que Monsieur Tchani puisse nous amener. Il est professeur. C'est déjà ça, chez moi, il est professeur. Mais il rien n'empêche qu'il puisse amener une touche scientifique. Lui, M. Tchani, c'est un Américain. Il a une nationalité américaine. C'est les problèmes vous en avez des preuves. Les problèmes des Congolais. Vous en avez des preuves. Le problème des Congolais, M. Diawa, serait que non, les Congolais puissent trouver son emploi, puissent trouver son pays quotidien. Et puis voilà, les transports, l'électricité, l'eau. Et c'est ça. Mais quand vous voulez nous embarquer à une distraction qui n'amène à rien, c'est compliqué. Par rapport à cette loi-là, nous, l'amour. Quand nous n'avons pas peur de ça, nous sommes sereins parce que cette loi-là... Je ne dis pas que vous avez peur de ça, mais je vous pose la question si vous êtes d'avis. Comment est-ce que je vais être d'avis? Est-ce que M. Diawa, le président sortant Nicolas Sarkozy qui a dirigé la République française pendant 4 ans, il n'avait pas l'origine française, c'était un Espagnol si je ne me trompe pas. Mais, un Polonais je crois bien. Oui, entre ces deux nationalités là. Et si je prends l'exemple du président ivoirien actuel Alassane Ouattara, le point serait d'améliorer la vie des Congolais. Si vous avez choisi cette nationalité, vous avez accepté de vivre à un autre pays, donc vous devez servir, ça c'est l'essentiel. Au lieu de s'émêler de ces histoires-là. Donc, la grande peur de l'UDPS et de Noël Tchani serait de voir les gros poissons comme le président Moïse Katumbi, le président Jean-Pierre Bemba. Donc, ils ont peur de gros poissons. Ah bon, donc, pour laquelle vous avez vu toutes ces agitations. Le point, c'est que d'améliorer la vie de plus de 90 millions de Congolais qui souffrent d'ailleurs. Et je vous ai dit, est-ce que Noël Tchani n'est pas un modèle? La personne qui n'a pas investi dans son pays. Et bon, disons la RDC. Donc, Noël Tchani, pour nous, c'est une distraction. Nous, la Mouka, quand nous trouvons ça, une distraction, il veut désorienter la population. Vous venez d'évoquer quelque chose de très important quand vous dites que cette proposition de loi vise des gros poissons comme Moïse Katumbi, comme Jean-Pierre Bemba, par exemple. Est-ce
c'est vrai. Ah oui, bien sûr, vous avez suivi, leur cible principale, c'est Moïse Katumbi. Mais moi, je crois que par rapport à cette loi-là, ça n'a pas d'impact. Les points seraient d'améliorer la vie des Congolais, dont serait notre lutte. Parce que les Congolais manquent des transports, manquent des routes. Aujourd'hui, là, les embouteillages partout. C'est ça, de telles propositions que M. de Noël... Est-ce que vous, Lamouka... Mais aujourd'hui, là, nous sommes dans une distraction, M. Diaw. Est-ce que vous, Lamouka, vous ne pouvez pas, quand même, quand tellement vous avez dit que c'est pour... C'est pour éliminer les gens comme Moïse Katumbi, les gens comme Jean-Pierre Bemba. Est-ce que vous ne pouvez pas, vous, Lamouka, soutenir votre président dans cette démarche? Parce que c'est Moïse Katumbi qui est président de la coalition Lamouka jusque-là. Est-ce que vous pouvez soutenir votre président? Je ne sais pas quel président. Le nom, c'est... Moïse Katumbi. Bon, c'est lui le président de la coalition Lamouka aujourd'hui. J'avais cru que le pasteur Moïse Mbié. Non, je ne passe pas. Donc tout ça, M. Diaw, vous devez comprendre que non, M. Jean-Pierre et même le président Moïse Katumbi, dont nous avons beaucoup d'estime et de respect envers eux, ils se sont exclus d'eux-mêmes au sein de la coalition Lamouka. Mais néanmoins, ils n'empêchent pas, ils sont, ce sont les cellules de Lamouka au sein de l'Union des Sacrés. Qui vous a dit que non, Moïse Katumbi a quitté Lamouka? Qui vous a dit? Mais c'est vous-même, c'est Moïse Katumbi. C'est qui vous a dit que même Félix... Mais est... dans une conférence de presse, c'est Mouzitou et Fayoulou qui nous ont dit que Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi se sont auto-exclus. Je vous dis, si M. Diaw, ce sont les branches de la Mouka, c'est une section dont M. Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba sont là-bas. Donc c'est une politique d'encerclement dont cela n'engage que donc moi. C'est une politique d'encerclement, cela n'engage que moi. C'est une politique d'encerclement. Cela n'engage que moi et non mon parti. C'est Martin Fayoulou et Adolphe Moussoutou qui les a envoyés là-bas. Je vous dirai ceci, non, tous ces gens-là dont vous les voyez, ce sont les cellules de la Mouka et personne les a exclus au sein de la Mouka. Ils sont le fils, si vous vous souvenez encore, le brebis égaré. Vous venez encore de contredire Martin Fayoulou. Là, ça n'engage que moi. Je vous ai dit, monsieur. C'est ce que je suis en train de dire, votre opinion. Monsieur Jean-Pierre Bemba. Votre opinion a contredit. Monsieur Jean-Pierre Bemba. Quand même, c'est ce que vos leaders ont dit. Monsieur Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi se sont exclus de leur propre façon. Et nous leur avons dit de s'assumer des tout. Donc, tout ce qui leur arriverait, ils sont responsables. Donc, monsieur Moïse Katumbi, moi, je les avais conseillé de ne plus aller là-bas, mais ils n'ont pas voulu. Ils ont voulu faire ce qui leur semblait bon. Donc, ils n'ont pas la vision de la population. Par contre, aujourd'hui, vous avez vu comment est-ce que Moïse Katumbi est mal vu. Dans les jours à venir, le cible serait Jean-Pierre Bemba. Mm-hmm. Donc, M. Tshilombo les a pris en otage. Ils sont devenus des prisonniers politiques, les prisonniers de conscience de M. Tshilombo. Donc, ils doivent en être responsables de ce qui leur va arriver. Parce que nous, au sein de la Mouka, nous travaillons pour la population. Et puis, nous travaillerons toujours. Mais eux aussi sont partis là-bas pour l'intérêt de la population. En fait, que la population... Donc, vous avez demandé à Félix Tshisekedi de se séparer d'avec Joseph Kabila. Il s'est séparé avec Joseph Kabila. Aujourd'hui, pour aller aider votre frère de la coalition Lamouka, parce que lui aussi c'est le fruit de la coalition Lamouka, vous commencez à dire que ben, ceux qui sont partis là-bas, ils seront la caisse de résonance de Félix Tshisekedi. Nous, on ne peut pas aller. C'est pas juste. Quand mais même M. Diaw, comment est-ce que nous pouvons être ensemble avec un pouvoir de l'iniquité, un pouvoir illégitime? Non, on ne peut pas travailler de cette façon. Le vrai vainqueur des élections de 2018, c'est Martin Fayoulou. Donc, M. Tshilombo et ses alliés et son partenaire privilégié, M. Joseph Kabila, sont toujours ensemble. Qui vous a dit que non? Plus avec Joseph Kabila, c'est ce que tout le monde voit. Je vous les reconfirme qu'ils sont ensemble. Et pour raison pour laquelle vous avez vu aujourd'hui Jean-Pierre Bemba être devenu prisonnier de conscience de lui-même et de la population. Donc aujourd'hui, là, ils veulent retourner à Lamouka. Quelle Lamouka? Je ne sais pas. Ça serait mieux qu'ils fassent leur Lamouka. Donc nous sommes sereins. Nouvel élan, eux, le parti du président Martin Fayoulou et nos alliés, nous travaillons et nous travaillerons en fait que non, la population congolaise, les Congolais en général, partout, ils sont dans le monde, puissent retrouver la dignité qu'ils ont perdue pendant un bon moment et qu'ils ont perdu. Qui sont en train de l'assumer aujourd'hui. Vous avez vu la gestion macabre de M. Tshilombo, avec plus de 895 voyages inutiles, avec plus ces voyages ont apporté plus quand de 800, même. Plus de 895 promesses, j'allais dire, plus de 300 voyages. Ces voyages ont apporté beaucoup. Hein. La seule société dont M. Tshilombo nous a amené, c'est My God Rêve, dont vous avez été victime des $25. Et puis, la deuxième société, c'est RAM. Alors, que voulez-vous? Avec un tel genre de messieurs,
cité. Monsieur Diao, nous devons être sérieux parce que cette population en souffre. Et puis, vous avez vu la gestion de Jassini Ngobila, comment est-ce que la ville est devenue mal propre. Et aujourd'hui, les gens ne veulent plus visiter notre pays. Donc, nous travaillons en fait de sorte que non, 2023, que personne puisse pleurer. Et puis, vous allez voir comment nous allons gérer la République avec des lois et des principes en respectant toutefois la constitution de notre pays. Vers la fin de cette émission, nous allons prendre la dernière partie. Ça sera consacré à l'activité que Nouvel Élan devait organiser. Ça devait se tenir quand? C'était le 8. Le 8 mai dernier. Malheureusement, ça ne s'est pas tenu. C'était quoi la raison? Oui, monsieur Diaba, vous, nous sommes... Ça devait être une matinée politique. Ça devait être une matinée politique, ouais. Mais je vous avais dit à mon introduction, non, le seul parti qui fait peur à l'ère actuelle, c'est Nouvel Élan. Vous avez compris que M. Ngobila et Joseph, qui est encore Chilombo, se sont appelés pour dire non, disperser la matinée politique de Nouvel Élan. Donc nous avons écrit aux autorités compétentes, et puis l'endroit était d'ailleurs aménagé, mais à notre grande surprise, nous avons vu M. Ngobila et Silvano Kasongo venir barricader la commune de Hilo, tandis qu'il y a des endroits où les choses ne marchent pas. Mais par contre, nous avons néanmoins saisi... c'est juste quoi j'allais dire, c'est la jalousie politique. Parce que M. Jatini Ngobila avait engagé un bras de fer avec la population, donc il sera capable. Parce que vous avez tous vu ce qu'il a fait à Yumbi, et nous leur disons que non, ici c'est pas Yumbi, ici c'est Kinshasa, ici c'est la République démocratique du Congo, dont le peuple est souverain. Parce que le point c'est quoi entre ce bras de fer? La marche du 24 avait passé, vous avez vu comment est-ce que M. Chilombo et Jatini Ngobila vous avez envoyé plus des batailles. C'est le but. Pourquoi toujours citer les noms de président du président de la République quand il y a des représailles. Tout ce que Félix fait aujourd'hui, toutes les tueries possibles, ça sera sur les épaules. C'est Félix qui avait envoyé Jantini Ngobila. Mais il nous a envoyé plus d'un bâton de la police, y compris l'armée républicaine, pour nous disperser. C'est Félix Tshisekedi qui envoie la police. Je suis sérieux, je vous dis, monsieur. C'est Félix Tshisekedi qui envoie la police. Je suis sérieux, je vous dis, nous avons saisi la justice, nous avons suivi les normes, nous avons d'ailleurs commencé par la justice éterne, parce que nous avons perdu plus de nos militants. La maman Fouti, là, dont nous étions à la messe, à la cathédrale, à faveur de sa mémoire. Donc, M. Chilombo paiera tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Donc, il est sur le chemin de son maître, qui est Joseph Kabila et Paul Kagame. Donc, cela ne passera pas inaperçu. Et puis, nous disons à Jatini Ngobila que non, nous allons revenir pour notre matinée politique, parce que nous sommes dans un temps d'information. Et puis, la loi nous garantit pour les manifestations dans des lieux publics. Donc l'essentiel pour Jatini Ngobila, c'est avec son opération qui est ratée et l'affaire Zando. Donc voilà, ça c'est qui était intéressant pour Jatini Ngobila. Mais venir disperser une matinée politique, c'est là pour... Passé à limiter, vous voyez au boulevard. Comment est-ce que Kinshasa est en train de revêtir sa plus belle robe? Comment est-ce que vous pouvez parler de Kinshasa? Mais j'ai été chez Félix dernièrement à Louia. Vous allez voir plusieurs, comment dirais-je, les inondices devant sa parcelle. Et puis devant l'hôtel de ville, M. Diawa. Donc cette histoire ici, M. Félix nous a rendu ridicule devant le monde. Et il en continue toujours. Raison pour laquelle j'avais reçu plus de 200 jeunes venant de l'UDPS me dire que non, Bruno, 2023 arrive, que ferions-nous? Et je les ai garanti, soyez sereins. Ces gens-là ont quitté l'UDPS pour venir. Mais je suis un leader d'opinion, M. Diaba. Ils ont quitté l'UDPS qui est au pouvoir pour venir. Ils sont venus parce que nous sommes une bibliothèque, nous sommes dans l'école de mozitisme. Donc ici, c'est une. L'école de mozitisme, mais c'est une école. C'est une nouvelle école. Mais Mozit. Mais Mozit lui-même, il est du rang des. Les Palous. Lui aussi. Mozit, alors que Gizenga est un Lumumbiste. Donc vous avez créé une autre école. Mozit ou selon Palou. Et puis nous disons non, Bruno selon le mozitisme. Donc j'avais reçu plus de 200 jeunes venant de l'UDPS. Ça c'est une école que vous avez créée vous-même. Mais ils sont venus me voir parce que nous sommes une bibliothèque. Donc en voyant Mozit, donc quand je vous parle, donc c'est Mozit qui parle. Donc nous disons à Monsieur Ngobila, bientôt là il sera destitué d'ailleurs dans les jours qui viennent, parce que si aujourd'hui il est au pouvoir, qu'il sache que non, demain, après demain, il sera civil. Vous, Lamouka, vous avez combien de députés provinciaux à l'Assemblée pour faire destituer Ngobila? Mais tous ces députés-là travaillent pour la population. Et si par cause de Ngobila ne travaillent pas bien,
qu'est-ce qui empêcherait aux députés qui sont là pour destituer les faire partir? Tandis qu'un Ngoubilaké à tout moment joué dans les si, biens par rapport si cette, au bilan si, des députés là avaient si ces députés là avaient compris que Ngobila ne travaillait pas bien, il allait être destitué depuis très longtemps. Mais je vous rassure, mais ces députés là ont compris que Ngobila est en train de faire un très bon travail, raison pour laquelle il reste toujours en fonction. Mais c'est Diawa, je vous dis, Ngobila avant 2022, Ngobila ne serait plus gouverneur de la province de Kinshasa parce que il y a une motion qui est là. Et pour votre information, c'est l'autre là qui était parti, le vice-gouverneur Néron serait bien de rétablir de ses fonctions. Pour nous, nous disons au gouverneur de la ville, Gentiline Ngobila, on ne peut pas engager un bras de fer avec la population parce que Nouvelle-Élan, c'est une population. Nouvelle-Élan, c'est le parti socialiste et nous travaillons pour l'intérêt général. Quand vous voulez intercaler une matinée politique, il faut s'assumer à tout ce qui vous reviendrait comme charge. Mais nous sommes indignés de voir les comportements faiblards de M. Chilombo vis-à-vis d'un pays voisin comme le Rwanda, nous manipuler, venir d'essayer de voir un visage, ce n'est pas vraiment quelque chose appréciable. Et je demanderai à tous les Congolais, là où vous êtes, partout dans le monde, de se mettre comme un seul homme, mais pour mettre l'ennemi à côté. L'ennemi, c'est M. Chilombo, qui est en complice avec son frère Paul Kagame du Rwanda. C'est votre mot de la fin. Merci beaucoup. Le mot de la fin, je pourrais toutefois vous remercier. Okay. Et puis remercier Mme Bijou qui nous a... Maïka Nissouakou. Qui nous a fait appel ici, et puis tous mes frères de l'université Saint-Augustin de Kinshasa, dont je salue le frère Kafouch Fidèle, puis mes deux frères Kabombo Benjamin et Joël Chilobo. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. C'était une première pour vous, mais je crois que ça ne sera pas une dernière. À chaque fois que vous avez besoin de faire passer une information, un message, nous sommes là à votre service et au service de la population. Chers internautes, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Face à Face qui avait reçu pour vous Bruno Mimbenga, communicateur de Nouvel Élan, parti d'Adolphe Mouzitou, de Lamouka bien évidemment. Nous sommes arrivés à la fin. Abonnez-vous massivement sur Leonjoleo pour ne rien rater de l'actualité politique de la République démocratique du Congo. Merci à Thierry Matondoko qui était au cadrage. Fiston Yan Kolé à la réalisation, Bijou Maïkani à la supervision. Un grand merci à Odon Boulamba, notre patron qui nous suit depuis la Nouvelle-Zélande, et vous tous qui nous suivez à travers le monde. Big salutations à vous et on se retrouve à la prochaine.